Welcome to Ochenta Stories, recorded in bedrooms, living rooms, closets, and balconies in quarantine around the world. In each short standalone piece, artists, writers, creators, podcasters, and more answer the question, what do you want to hear when this pandemic is over? I'm your host this week, Chiara Santella. Before we begin, we wanted to share some news with you. Hi, I'm Lori Martinez, founder of Studio Ochenta and executive producer of Mija Podcast. Jumping into your feed here to share some big news. At Studio Ochenta, we're all about raising voices across cultures and telling stories from diverse perspectives around the world. That's why I'm excited to share our latest production with our listeners, Mija Podcast Season 3. An audio drama that tells the story of one Muslim Egyptian family's journey from Alexandria to London and New York. You can listen to Mija Podcast in English, Spanish, or Arabic versions over at ochentastudio.com/mijapodcast. And now, on with the show. This week's episode is a note to hope. Bella guides us through her experience of being a freshman during this challenging year. She shares her fears, expectations, and thoughts with admirable confidence. She creates a space in which people can feel again the beauty of dreaming. The story, originally produced in English, has been translated into French, and you can hear that version later on in the episode. And now, with no further ado, Class 2020 by Bella Druckmann. The summer before my freshman year of college was a glorious summer. I created a social bubble with my friends from high school and went on many outdoor adventures. As a final hurrah to our summer of freedom, we huddled together in my friend's 8-person tent, parked in her backyard as we prepared for an early awakening to watch the sunrise over Lake Michigan. The 4 a.m. alarm clock wakes us and all we see is complete darkness. Once we arrive at the lake and settle on the rocks, the brilliant reds, pinks, and yellows of the sunrise warm our faces as we bask in the golden light. This last sunrise is a goodbye for us and a symbol of new beginnings. As for me, despite everything, I was excited by the promises of some socially distanced in-person classes and the hopes that I would make some friends who I could go on adventures with in New York City, even in a pandemic. But my college pulled housing less than a month before I was supposed to move into my dorm. I was shocked. After being stripped of the final illustrious moments of my senior year, how could I lose my freshman year of college as well? After a week of combing through apartment listings, I was fortunate enough to find an apartment in New York City in which I would live with 3 other freshmen. At least I would have 3 friends. Little did I know that I would grow to call them my family. In the days prior to leaving, my childhood bedroom slowly lost evidence of the 18 years I had spent within it. I removed photos from high school from my walls, pillows and sheets from my bed, and pens and pencils from my desk. A pile grew in my room full of the materials I would bring to New York. A pile of fear grew in my chest at the same time. My father and I drove 12 hours from my home city of Chicago. As the rain came down in buckets from the night sky, I moved into my apartment and began my new life. The apprehension was still present, but I began to think, maybe it'll be okay. When my roommates all arrived, we just clicked.
It was like we were long-lost sisters who needed to tell each other everything that we had missed in each other's lives. Our first night together, we sat on the floor of our living room that had no furniture except for the fuzzy blanket we were using as a makeshift rug and the unstable table that sat in the corner. This table would be where we had our first family dinners together. It was where I was able to find solace in a time without physical connections during my college experience. We slowly filled our living room with furniture, and eventually, we scrolled through dating apps, marveling at the audacity some boys had to make comments that just left us speechless. We walked around the streets of New York, sometimes taking the subway uptown instead of downtown, but always ending up where we were supposed to be. They were my best friends in this scary city. However, it was still easy to feel alone. There were many nights when I sat on my bed in the corner of my room just thinking about what was happening in the apartments above, below, and next to me. I could hear music creeping into my room through my windows and footsteps from above me. Yet, here I was, all alone, with only my blankets to comfort me. No one in this city seemed to get me like my friends did back home. Socially distanced socializing is hard, but in time I was able to find solace in my classmates, who I have only met online. We have bonded through the TikToks we send to each other and the occasional Zoom calls we have. We revel in the thought that we will soon be all together, cramming ourselves into our dorms, only a knock away. This gives me hope for a future where we can all finally be together without the worry of spreading a deadly disease. It gives me hope that I am able to make friends even if I have never breathed the same air as them, or even know how tall they are. As college students, we will be the next leaders of the world. The class of 2020 went through countless losses. However, those losses have made us stronger. We may be separated right now, sharing our laughs only between the Zoom rectangles, but we will be reunited soon, vaccinated and smiling. We know that despite challenges, beauty can always be found in the darkest of times. We know that when we are burdened by the loss of physical touch or the distractions that present themselves during online classes, that there is a light at the end of the tunnel and laughs to be had while we are in the tunnel. We are the class of 2020. We are the generation of college students who lost some of the best years of their lives because of the pandemic. We are the people who will lead the world with perseverance and an open mind. Class 2020 by Bella Drachman in French. L'été qui a précédé ma première année à l'université était un magnifique été. Avec la bande d'amis que je m'étais faite au lycée, on a passé notre temps dehors à vivre mille aventures. Pour couronner en beauté notre été de liberté, on s'était tous réunis un soir, blottis les uns contre les autres dans une tente de 8 personnes, installées dans le jardin d'une amie. On se préparait pour aller voir le lever du soleil le lendemain au-dessus du lac Michigan. À 4h du matin, quand la sonnerie retentit, il faisait encore nuit noire. Une fois arrivé au lac, on s'est installé sur les rochers, nos visages tournés vers la lumière dorée de l'aube. Les couleurs étincelantes du lever de soleil, rouge, rose et jaune, nous réchauffait le visage. Ce dernier lever de soleil, c'était comme un au revoir pour nous, et un symbole de nouveau départ. Quant à moi, malgré tout, j'étais excitée par les promesses de quelques cours à distance
et par l'espoir de me faire de nouveaux amis avec qui je pourrais vivre de nouvelles aventures, même en temps de pandémie. Mais moins d'un mois avant la date prévue de mon arrivée au campus, l'université a annulé mon logement universitaire. J'étais en état de choc. J'avais été privée des moments les plus mémorables de ma dernière année de lycée. Comment est-ce que je pouvais aussi perdre l'opportunité de vivre ma première année d'université ? Pendant une semaine, j'ai écumé les annonces d'appartements et j'ai finalement eu la chance de trouver un appartement à New York, en coloc, avec trois autres premières années. Je me suis dit qu'au moins, je me ferais trois nouvelles amies. J'étais loin d'imaginer qu'elle deviendrait une véritable famille. Les jours précédant mon départ, la chambre dans laquelle j'avais passé toute mon enfance s'est vidée petit à petit des traces des 18 dernières années. J'ai retiré les photos du lycée des murs, les coussins et les draps de mon lit, et les stylos et les crayons de mon bureau. Dans ma chambre, j'ai vu grossir une pile de choses que je contenais emmener à New York. Au même moment, c'est une pile de craintes que je sentais grossir dans ma poitrine. Avec mon père, on est parti de Chicago et on a roulé pendant 20 heures. Dans la nuit, sous des trombes de pluie, j'ai emménagé dans mon appartement et commencé ma nouvelle vie. J'avais encore peur, mais j'ai commencé à me dire, peut-être que ça va aller en fait. Et quand mes collègues sont arrivés, on s'est tout de suite bien entendus. C'était comme si on était sœurs, qu'on ne s'était pas vus depuis longtemps et qu'on devait rattraper toutes les choses qu'on ne s'était pas dites. Lors de notre première nuit ensemble, on s'est assises par terre dans le salon. Il n'y avait d'ailleurs aucun meuble, à part le canapé tout pelucheux qu'on utilisait comme un tapis et une table toute bancale dans un coin. Cette table, c'était celle sur laquelle on aurait nos premiers repas de famille, tout ensemble. Pendant mon année d'université, une année entière où on était privés de connexion physique, c'est là que je venais trouver du réconfort. Petit à petit, on a meublé le salon. On scrollait les applications de rencontres et on lisait ensemble les commentaires de certains gars dont certains étaient tellement audacieux qu'ils nous laissaient sans voix. On se baladait à travers New York, parfois en prenant le métro dans le mauvais sens, mais on finissait toujours par arriver là où on était censé être. Elles étaient mes meilleures amies dans cette ville effrayante. N'empêche, il était toujours assez facile de se sentir seule. Il y avait beaucoup de nuits où je m'asseyais sur mon lit dans le coin de ma chambre et je pensais à ce qu'il pouvait se passer dans les appartements au-dessus, au-dessous ou à côté d'une autre. Je pouvais entendre de la musique à travers ma chambre, à travers ma fenêtre ou à quelques mètres juste au-dessus de moi. Et pourtant j'étais là, toute seule, avec ma couverture comme seule compagnie. Personne dans cette ville ne semblait vraiment pouvoir me comprendre autant que mes amis chez moi. Se faire des amis à distance, c'est difficile. Mais avec le temps, j'ai réussi à me lier d'amitié avec mes camarades de classe que je n'ai vus pourtant qu'en ligne. On apprend à se connaître à travers les TikTok qu'on s'envoie et parfois les calls Zoom qu'on organise. On pense tous au moment où on pourra se retrouver en vrai, où on s'entassera dans les dortoirs, juste à une porte de distance les uns des autres. Pensez à ce futur où l'on pourra enfin être tous ensemble, sans avoir à se soucier de ne pas répandre une maladie mortelle, ça me donne de l'espoir. Penser que j'ai pu me faire de nouveaux amis à distance, sans avoir jamais respiré le même air ou savoir quelle taille ils font, ça me donne de l'espoir. La promo 2020, elle a été privée de beaucoup de choses, mais ces privations, elles nous ont rendus plus forts. On a beau être séparés pour le moment, partager nos rires qu'à travers des rectangles sur Zoom, on sera bientôt réunis, vaccinés et souriants. On sait que malgré les challenges, on peut trouver de la beauté dans les moments les plus difficiles. On sait que quand on subit la perte des contacts physiques ou les tentations de distraction pendant les cours en ligne, il y a de la lumière au bout du tunnel et il y a toujours des rires à partager dans le tunnel. On est la promo 2020. On est la génération d'étudiants qui avons perdu certaines de nos plus belles années à cause de la pandémie. Mais on est de ceux qui dirigeront le monde avec persévérance et un esprit ouvert. Thank you for listening to 80 Stories. This story was written by Bella Druckmann.
Bella is a freshman at Barnard College, intending on majoring in English and human rights. When she's not finding her new favorite